Premier ministre paysan Claude Joseph en tête d'une délégation gouvernementale, chita parlé avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans le cadre d'une rencontre spéciale Conseil sécurité TAP organisé. Discussion de chita principalement sous processus électoral là dans le pays d'Haïti. Restez branchés, pas déplacés, n'a pas tourné dans un petit moment. Gros salutations à nous tous, son plaisir pour entrer la caillou. N'a pas dit merci parce que vous branchez et n'a pas dit bienvenue, soit à peine connecté. Jean-Denis Alonso, Premier ministre paysan Claude Joseph, dans tête d'une délégation qui a divers membres dans le gouvernement, parmi eux Mathias Pien, qui lui-même c'est ministre qui chargé des affaires électorales, et puis relations avec partis politiques, il était chita discuter avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur le processus électoral dans le pays d'Haïti. Dans le cadre de rencontre, le secrétaire général des Nations Unies réaffirme soutien l'ONU à le processus électoral là et il fait qu'on est Nations Unies disposé pour offrir tout soutien à pays d'Haïti dans cadre organisation prochaine élection. Normalement cause élection par suspendre balai dans pays d'Haïti depuis quelque temps et réalité moment est-ce que l'est favorable à organisation prochaine élection. Donc sur le plan sécuritaire nous est en pile difficulté surtout dernier temps ça nous est comment et ces gangs comment ces bandits et qui fait la loi. Donc là est-ce que élection dans un climat d'insécurité comme ça, est-ce que c'est possible? Et au plus haut niveau de l'État, il y a un constat qui fait de situation difficile payant à faire face, je dis, sur le plan sécuritaire, et qui était même poussé président de la République dans le cadre de rencontre qui était gagné avec la commission OEA qui était entrée dans le pays. Quand le président de la République là, a adressé une demande formelle à l'organisation État américain, qui est OEA, pour que le tabali de soutien dans sa gen pour avec sécurité cap permettre élection organisée dans fin année 2021 parce que situation sécuritaire pays est extrêmement grave, est extrêmement fragile. Donc il y a de diligence qui vous faites bon côté organisation internationale ça pour aider Haïti organiser élection et qui pour permettre garantir sécurité dans processus là. Dans l'organisation prochaine élection, nous connaissons différents acteurs qui concernés, d'un côté nous joignons le gouvernement d'ailleurs c'est lui-même qui initiateur et processus là, c'est eux-mêmes qui l'a pour organiser l'élection. Nous avons de l'autre côté Conseil électoral provisoire qui est un acteur important dans l'élection. Et nous avons l'autre acteur qui est extrêmement important dans le cadre et processus pour organiser l'élection, c'est parti politique. Côté là, nous connaissons et principalement c'est pour eux-mêmes l'élection à organiser, c'est eux-mêmes qui ont voté candidat dans l'élection. Donc c'est un acteur important, un élément clé dans le cadre organisation élection. Mais là, nous prenons la réalité moment. Nous avons majorité dans le parti politique, ça, ou bien majorité dans la classe politique, là, ou même pas favorable à l'organisation d'élections dans le pays. Bon, et pas que vous ne voulez pas élection d'après ça, vous toujours dit, mais vous râlez de arguments pour que vous montrez les gens qui peuvent organiser l'élection, en l'occurrence le président Jovenel Moïse, son président qui est illégitime d'après ça, vous dit, parce que le mandat a fini depuis 7 février. 2021, qui donc, président a manqué légitimité pour organiser l'élection, et c'est ça que fait eux-mêmes déjà. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'élection à président, ils n'ont pas de référendum. Mais est-ce que si ils n'ont pas d'élection à président, ou du moins ils n'ont pas de référendum, est-ce que ça t'a dit que le processus n'est pas capable de enclencher? Donc là, nous ne pouvons pas connaître, mais ce bagage nous connaît, la classe politique là, et à plusieurs niveaux, il est divisé, et ça faut pas voir l'opposition plurielle, parce que d'un côté, où il y a une opposition qui est modérée, de l'autre côté, où il y a une opposition lui-même qui radical, mais on veut une jeune de parti politique qui pas ni modéré ni radical, mais c'est de allier pouvoir eux-mêmes et là yo disposer eux-mêmes pour participer dans l'élection n'importe quelle élection à fait. Donc là quelque part si parti politique traditionnel yo dit yo pas participer dans l'élection à président Jovenel Moïse ou même pas participer dans référendum, ça va veut dire élection pas organisée dans le pays bien que et pas gagner de crise qui entaché dans prochaine élection ça parce que ou gagner on dit et politiciens traditionnels yo qui c'est eux-mêmes qui principalement qui a fait obstacle à président sur le plan sécuritaire nous connaît mais sur le plan participatif nous connaît gen divers acteurs dans classe politique là qui t'ai levé voix pour dire que pas participer dans l'élection avec président Jovenel Moïse parce que selon eux son président qui pas gain légitimité parce que mandat ta fini depuis 7 février 2021 qui donc n'a pas participé dans l'élection avec, ça c'est pour une série de partis dans la classe politique là, qui c'est ça qui modéré, qui c'est ça qui radical, parce que nous connaissons une opposition plurielle dans le pays, hein?
chaque monde campé dans camp paro, chaque monde a défendre intérêt paro. Donc là quelque part eux même ils rejoignent pour dire ne pas participer dans l'élection. Mais c'est pas seulement eux même qui gagnent comme parti politique, c'est vrai c'est eux même qui fait partie de classe politique traditionnelle là, mais il y a d'autres partis politiques en pile fois attribués à des alliés pouvoir en place là. Donc eux même tout c'est de maillon qui important dans chaîne là. Donc on pas qu'à négliger et si eux même ils décident participer dans l'élection, donc là on pas qu'à dire le fait que classe politique traditionnelle n'a pas participé ou pas organisé élection. Et d'ailleurs organiser élection dans le pays en fin année 2021 sont nécessités. Parce que même si il y a un pile de monde qui prétend que le président Jovenel Moïse est fini depuis le 7 février 2021, mais son argument qui est quelque part discutable, mais à partir du 7 février 2022, automatiquement, le président Jovenel Moïse, mandat fini. Donc là, il faut une élection organisée pour remplacer le président Jovenel Moïse par un autre président qui est élu dans l'élection. Donc c'est élection qui pour faire pour remplacer yon élu. Et président Jovenel Moïse tout dans le discours li toujours gagné, il dit son élu qui doit remplacer yon autre élu. Ça veut dire élection yo même si gen doute sur quant à organisation mais son nécessité pour organiser et ouais détermination qui gagne bon côté pouvoir pour organiser élection et référendum dans fin année 2021. Pour référendum nan gen pile doute qui parle sous li pour qu'on est-ce que l'a réalisé ou bien est-ce que pas réalisé d'ailleurs ouais position de l'international qui dit eux-mêmes yo pas de référendum dans pays hein, mais président Jovenel Moïse lui-même est déterminé et il dit l'a organisé. Et aujourd'hui l'autre acteur important dans la vie nationale qui c'est classe politique là qui eux-mêmes ont dit yo pas de référendum, yo pas de changement constitution avec président Jovenel Moïse, mais que eux-mêmes yo partagé idée pour ta bon passé mais qui fait dans la constitution. Donc pour référendum pour gain assurance que l'a fait ou bien pas fait dans fin année 2021, mais pour élection eux-mêmes sont nécessité parce que mandat président pas fini, pas gain parlement, pas gain magistrat qui élu, pas gain kazek, pas gain azek, donc pas gain élu vraiment dans pays. Donc pour remplir tout vide ça qui gain actuellement dans pays, donc c'est élection qui pour organiser, donc pour gain de monde qui prend fonction et puis qui pour occuper poste électif yo. Élections sont nécessité liées dans pays bien que nous ka tande gain plusieurs opinions qui divergent sous organisation élection en fin d'année, mais quand même sont nécessité liées. Donc nous va connaître si c'est président Jovenel Moïse qui prend l'organiser, si son transition Jean Boisson toujours mandel pour une transition dans pays, si c'est transition qui prend l'organiser, mais de fait sont nécessité liées faut élection organisée dans pays pour capable renouveler personnel politique là. Ça veut dire yon côté où jeune pouvoir qui fait promotion pour élection, on l'autre côté où jeune opposition qui fait promotion pour transition. Normalement, on ne connaît pas qui est-ce qui a raison là-dedans. Est-ce que c'est pouvoir? Est-ce que c'est l'opposition? Mais ce bagage qui est sûr, l'international, lui-même qui sont acteurs importants qu'on pas qu'à négliger, lui-même nous dit pas dans la transition, c'est dans l'élection. C'est le principe démocratique qui pour respecter, ça dit élection de organiser dans la fin année 2021. Et ouais, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui-même nous dit, il a réaffirmé soutien des Nations Unies à processus électoral là et il souhaitait pour élection organisée dans fin année 2021. Donc là c'est position Nations Unies qui par département à position les États-Unis, l'OEA, l'Union européenne. Donc là jusqu'à présent, on dit président Jovenel Moïse dit c'est confortable pour organiser élection dans pays parce que entité qui était capable plus servi barrière quant à l'organisation des élections, yo même yo favorable pour gagner élection dans pays. Sinon l'opposition lui-même qui campait et sous position qui dit c'est transition au besoin de pas participer dans l'élection. Là son façon vous dit malgré tout parlant pile qu'a fait vous avez tout toriboy qui gagne quant à l'organisation des prochaines élections sont nécessité pour que élection organisée dans pays. Donc nécessité qui gagne pour acteurs dans classe politique là ta chita ensemble discuter ou comment qu'a jeune une formule qui capable faciliter élection organisée dans pays parce que d'après un pile observateur climat tension qui gagne dans le pays, on dit moins climat d'insécurité qui gagne, côté ouais gang, abgoumé avec gang, côté ouais zam ap chante plusieurs côtés. Hein. Donc c'est une stratégie pour venir mettre une sorte de confusion dans le pays pour empêcher élection organisée. Donc là, il est important pour gagner élection dans le pays. Hein. Donc nécessité pour acteurs chita discuter pour sortir avec un consensus cap faciliter élection organisée donc le climat de paix. Donc climat de sérénité, donc climat de certitude et que
à partir de 2022 pour payer un capran voie normale, voie démocratique, voie constitutionnelle pour que toute institution régalienne soit capable établi et que vous payez en fonctionner dans la normalité. Donc, nous ne pas parler de toi, grand pile de bagages pour nous dire, mais nous avons pris là. Nous avons dit merci parce que vous avez accordé une motion d'entente et nous avons dit à très bientôt pour une autre édition. Ciao!